Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Dans l'émission José, où nous traitons régulièrement de tragédies humaines. Vous avez raison. D'événements tragiques. De manque de jugement aussi. Causé par quoi? Aujourd'hui, notre question. Est-ce que votre pulsion sexuelle a déjà été plus grande que votre raison? Et on s'inspire de Tony Clement. Tony Clement a déjà été ministre de la Santé, des Affaires étrangères, Sécurité publique, sous Stephen Harper. Il était ministre du cabinet fantôme d'Andrew Scheer, de la Justice. Hier, il a dû quitter le caucus conservateur. Il a révélé qu'il avait partagé au cours des trois dernières semaines des images sexuellement explicites, des vidéos sexuellement explicites de lui-même à quelqu'un qu'il croyait être une destinataire féminine consentante. Selon lui, la Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les fraudeurs parce que la destinataire était, selon lui, un individu ou un groupe qui l'a ciblé pour des fins d'extorsion financière. C'est effectivement un drame humain, mais c'est effectivement un manque de jugement aussi. Mais d'où l'importance de faire le sujet de ce matin. Ouais. On va parler de pulsion sexuelle vraiment, là. Puis moi, je veux pas l'excuser. Moi, j'en reviens pas, honnêtement. Un homme de sa stature qui était à Sécurité publique, qui était cabinet fantôme de la justice. Il en a vu passer des histoires. Il y a les journaux, cet homme-là, dans sa vie. Il y a une femme, il est marié. Je me suis informée à Gatineau quand j'en parlais tantôt. J'ai posé la question, puis on m'a confirmé qu'il est marié. Il est allé se mettre dans ce pétrin-là. Oui. Peux-tu bien me dire? Quel âge a-t-il? Dans la cinquantaine? C'est pas un jeune de 12 ans, là. De 16 ans. C'est un homme de... Tu sais, qu'il soit 57 ans. Fait qu'il soit... Quelqu'un qui a une relation extra-conjugale, c'est une affaire, là. C'est de ses affaires. Sérieusement. Puis ça me regarde pas, moi. Puis s'il fallait qu'on sorte toutes les relations extra-conjugales du Parlement, là, on fera un marathon de radio, là. T'sais, deux tiers. C'est... Bon. On peut établir en passant, même affaire dans les hôpitaux, là. Tu sais, même affaire... bon, fait qu'on en... Ça, c'est une chose. Oui. Mais là, il y a un niveau différent de partager des photos. Vidéo, il fallait qu'il fasse de quoi, là? Il a pas regardé la caméra en faisant un sourire. Vidéo sexuellement explicite, on s'imagine qu'est-ce qu'il faisait, là. En tout cas, j'aurais envie de dire des affaires, mais... Les femmes, là, recevoir une photo de pénis, là... Je sais pas qui a pensé que c'était excitant. Là. Une photo, là. Tu t'en gratis. En tout cas. Oui, mais il y a pire que ça dans l'événement reproché, dans l'événement cité. C'est qu'il a envoyé des photos de ses organes génitaux, en action, à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Qu'il croyait être une destinataire féminine consentante. Fait que ça doit être une belle photo de femme. Parce que là, si on dit que c'était un individu ou un groupe, fait que ça va être une belle photo qu'il a reçue. Mon point, c'est qu'il ne l'a jamais rencontrée. Mais non, c'est ça! Il ne la connaît pas. Il ne l'a jamais rencontrée. Bon, maintenant, là, tu as parlé de Tony Clement. Jerry Slavounos, c'est dans la même foulée. Alors, Jerry a une relation sexuelle et il s'est mis dans le trouble solide. Sur le plan professionnel, avec sa relation sexuelle. Moi, j'ai connu un homme, Doc, oui. Là. Ça, je l'ai connu parfaitement. Je me rappelle même d'avoir une discussion avec lui. Oui. C'est un ancien collègue d'au moins 20 ans. Là, okay? Oui. Fait que je n'identifierais pas personne. Oui. Je ne dirais pas c'est quoi qu'il faisait. Là. Lui, il est allé... puis une chance, je ne l'identifierais pas. C'était pas vraiment ce qu'on peut dire un bel homme. OK?
Il n'était pas gâté par la nature. Pas de sa faute, là. Il est né de même. Bon, il était fin. Mais il est allé dans un pays chaud, parce que je ne vais pas identifier. Il est allé dans un pays chaud. Il a rencontré une femme une fois. Il est revenu. Tous les mois, il envoyait de l'argent. Puis il allait une fois par année. Puis il était marié, cet homme-là, en passant. Là. Puis il allait une fois par année dans ce pays-là la revoir. Fait que ça lui coûtait tant par mois pour la voir une fois par année puis sûrement avoir du sexe. Là. Là, on va en parler sérieusement aujourd'hui de ça. Là. Bon, on va parler sérieusement d'un autre volet qui est beaucoup plus tabou. Alors, une femme dans la cinquantaine fait un voyage biannuel, deux fois par année, dans un pays chaud. Et lorsqu'elle y va, dans les 20 dernières années, 15-20 dernières années, elle amène des chemises, une montre, des trucs comme ça, pour le compagnon, le partenaire sexuel, qui est marié dans le pays d'origine, qui ne veut pas s'en venir ici, et avec qui elle a de l'intimité sexuelle. OK. Alors, il y a tout ça. Ça, c'est une chose, là. Bon. Non, mais ça, je vois pas ça maintenant, pareil, moi. Non. Mais c'est pas pareil. C'est-à-dire... Ben, elle arrive avec des chemises, là. Tu sais, puis c'est une relation extra-conjugale, ben, elle donne des chemises. Oui. Mais c'est pas de l'extorsion, là. C'est pas... Non, mais le gars... Ah, t'as un petit peu... Oui, c'est très semblable, parce que l'exemple que tu nous donnes, il est allé dans un pays chaud, oui. Il a rencontré une femme oui. qui est capable d'avoir une... des activités sexuelles avec lui qui lui convient. Oui. Et il lui envoie une mensualité. Oui, qu'il n'a pas les moyens de faire. Fait que, tu sais, c'est... Oh, excuse-moi! Tu sais, c'est ça la différence. Quelqu'un qui est riche, là, puis que ça... C'est pas grave, mais d'où la pulsion, là? Oh, quand t'as un moyen de faire vivre quelqu'un, fais-la vivre, là, tu sais. Oui, mais là, je n'ai pas entendu. OK, ben c'est omission non intentionnelle okay, de ma part. OK. Non, on reprend. OK, bon. Okay le type n'a c'est pas ça, les la moyens. Différence. Non, c'est une relation extra-conjugale, puis tu gardes ton partenaire. Alors, c'est pas l'exemple pareil. Que je donnais, c'était une dame qui avait un travail payant, et elle avait les moyens de lui en emmener une flopée de chemise. Fait, comme quelqu'un que je connais très bien dit souvent... Grand bien lui fasse. Exactement. Bon, ceci étant dit... Oui, je connais quelqu'un aussi. Oui. OK? Non, mais je vais pas identifier personne, mais je me suis fait raconter oui. ça. Oui, OK. Tombe en amour, en tout cas, tombe dans une relation qu'il n'a jamais connue de sa vie au niveau sexuel. On va laisser faire l'amour, OK? Cette personne-là est sur le point de devoir quitter le pays. Parce qu'elle n'a pas ses cartes là, du pays. Là. C'est une personne qui vient de l'extérieur. Elle vient d'un autre pays. Elle peut, un homme ou une femme? C'est un homme. Et la femme, qui est d'une autre nationalité, étudie ici au Québec. Et là, elle doit s'en retourner parce qu'elle n'est pas une citoyenne. Les deux ne sont pas citoyens canadiens? Lui que je connais, c'est un Québécois. Okay. Il l'a rencontré. Oh, la elle qui n'a qui pas... Qui vient d'un autre pays. Je mais m'excuse elle est... parce que je ne veux pas identifier. Oui, mais elle est très ardente sexuellement. Hein? C'est ce que tu... Il n'a jamais connu ça de sa vie. Okay. Jamais, là. Wow. Puis c'est une mannequin de beauté. Oui, oui. Okay? On te suit. Bon. On est pendu à tes lèvres. Pauvre petite, elle va s'en retourner. Oui. Il propose de la marier. Oui. Elle va pouvoir rester. Oui. Ils sont restés mariés pas grand temps. Gros trouble qui a commencé après. Oui, ça peut arriver. Donc, encore une fois, pulsion sexuelle au-delà de la raison. Moins évident, ce coup-là. C'est un intelligent que je parle, là. Oui, oui, Tony mais... Tony Clément, c'est un intelligent, là. C'est pas, on n'est pas dans le même registre. On n'est pas du tout dans le même registre. Eh boy, on est... Bon. Maintenant, mesdames, vous n'êtes pas exclus ce matin? Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce qu'on a eu un appel hier matin. Oui. Un homme et une femme, ça donne... Les deux sont mariés et ça donne à des relations intimes. Le conjoint, par GPS, localise l'auto, là où il s'est rendu sa conjointe, sur un stationnement. Et il éclaire l'auto, prend des photos... des deux protagonistes qui
ne sont probablement pas habillés totalement, d'après ce qu'on a pu comprendre. Pulsion sexuelle. Fort attrait sexuel. Qui a été récupéré, exploité, vilipendé par un conjoint qui avait décidé d'être jaloux. Alors, on vous pose la question. Oui. Vous êtes-vous déjà ramassé dans un mauvais pétrin à cause d'une pulsion sexuelle? Vous savez-vous quoi? Au contraire, peut-être que vous êtes marié avec aujourd'hui, là. Oh, ça se peut aussi, là. Exactement. Tu sais, on va être objectif. On peut juste faire un show avec les mauvaises histoires. Il y en a peut-être des très bonnes histoires, là. Oui. Mais il y a un volet qui est important ici. Force est de reconnaître que la pulsion sexuelle varie énormément d'une personne à l'autre. Et ça ne va pas avec l'intelligence. Rien à voir. Alors, hommes et femmes peuvent avoir des poussées, un appétit pour la sexualité qui diffère énormément d'une personne à l'autre. Laquelle appétit, dans certaines occasions, peut les amener à avoir des comportements qui vont même les surprendre. Est-ce que Tony Clément savait qu'il avait une poussée sexuelle refoulée en dedans de lui et qui a possiblement explosé, ou s'il savait qu'il était exhibitionniste de nature et lui seul le savait? Tu sais, Tony Clément, puis je le dis respectueusement, ça nous amène à nous interroger. Alors, Tony Clément s'est exhibé. C'est de l'exhibitionnisme, ce qu'il a fait. Avec, écoute, prétextant une personne à l'autre bout, il s'est fait aller sur le plan sexuel de façon rondelette. Moi, mon film de ça, je l'imagine dans ma tête. Avant de faire ça, il a dû recevoir lui-même une couple de photos, là. Fait qu'il s'est senti à l'aise. Après avoir reçu les photos, après avoir texté pendant une nuit de temps, Là, après ça, il est allé lui de même. Alors, il y a énormément de répression. De répression de la sexualité chez les humains en Amérique. Qui dit refouler, c'est un peu comme dans un presto. L'endroit où sort la vapeur, vous bouchez le trou. Le presto va exploser. On va aller à la pause. Oui. On a déjà des messages. Oui, j'ai hâte de les lire. Oui. Et j'aimerais vous parler au téléphone. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation où c'était plus fort que vous, là? Votre pulsion sexuelle a eu raison, je dirais même de vos valeurs. Tu sais, des fois, là, tu dis, hey, moi, je ne ferai jamais ça. Puis là, paf, arrive une situation, pas capable de résister. Là. Racontez-nous. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de pulsion sexuelle, mais on en jasait pendant la pause. Pulsion sexuelle, d'où on le regrette amèrement par la suite, là, comme Tony Clément qui s'est fait avoir. Ça va aussi avec répression sexuelle. Puis j'aimerais ça que vous expliquiez... Répression et déviation sexuelle. Alors, il y a des déviants sexuels qui passent leur vie à se retenir. Soyez prudents, à un moment donné, ça peut vous sauter d'en face. Ça, c'est une chose. Alors, dans le cas de Tony Clément, c'est beaucoup plus un cas d'exhibitionnisme à première vue qu'autre chose. Les faits militent. Moi, en tant qu'expert, j'ai lu la manchette et je me suis dit, un exhibitionniste qui s'ignorait. Ou qu'il savait peut-être. Mais à un moment donné, il s'est fait pincer. Est-ce que c'était la première fois? On ne le sait pas. Il ne nous le dira pas. L'autre élément, c'est la répression sexuelle, la déviation et la répression. La répression, c'est toutes les campagnes de vomissures, de salissage, d'interdits, comme ceux, par exemple, qui nous surveillent et nous interdisent de parler de sexualité. C'est ça, la répression. Alors, il y a encore, en 2018, un très fort courant
de répression sexuelle au Canada. Pas seulement au Québec, au Canada. Et peut-être plus chez nos amis anglophones que chez les Canadiens français. Je ne sais pas si vous en souvenez, je cherche son nom et le titre exact qu'il y avait, là, mais c'était un haut placé aux États-Unis. Je me rappelle encore, il avait donné une conférence de presse pour démissionner de son poste, puis sa femme était à ses côtés. Il s'était fait pogner avec du sadomasochiste, là. Je ne sais pas si vous en souvenez de non, ça. Non, je me souviens pas. Puis il y a eu une vague, à un moment donné, oui. d'hommes importants, là. Oui. Avec pas des hommes importants, des hommes avec des postes importants. Exact. Qui se sont fait prendre, comme oui. ça. Oui. Puis encore là, c'était du monde brillant, là. Ben oui. Mais ça ne doit pas. La pulsion, elle ne doit pas excuser le jugement, prendre la place du jugement. Oui. Tu sais, tu as une décision à prendre quand même, là. Non. Ça, vous pensez que c'est plus fort vraiment que la personne? Ça va au-delà de sa réflexion de... Définitivement. Alors... C'est ça, les auditeurs, juste une seconde. C'est ça, les auditeurs, je veux que vous m'expliquiez puis aux autres auditeurs. Ça vous est-tu déjà arrivé que c'était plus fort vraiment là, que vous? Que votre raison, ben oui. Alors, plus fort que la raison, il y a deux éléments. La pulsion sexuelle peut, dans certains cas, être plus forte que la raison. Et l'émotivité... dans bien des cas, peut brouiller votre raison. Autrement dit, les personnes qui sont très émotives et les personnes qui ont des pulsions sexuelles soit fortes ou refoulées peuvent avoir de sales surprises. Et, sans oublier évidemment, les hommes déviants sexuels. On a Caroline qui nous appelle de Drummondville. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline. Oui. On vous écoute. Ben moi, en fait, dans qu'est-ce que vous mentionnez, quand vous mentionnez que les gens vont avoir des déviances ou des pathologies, c'est quand c'est répété le comportement. Tu sais, donc, la personne fait ça plusieurs fois. Mais souvent, il y a des gens qui vont sur des sites ou qui se retrouvent dans des situations où est-ce qu'ils vont être challengés par Internet ou quoi que ce soit, puis que là, ils vont avoir un comportement et que là, ils vont Caroline, se demander Caroline, est-ce Caroline, que je suis déviant. Caroline, votre analyse sociologique, là, on n'en a pas besoin. Parlez-nous de vous. Ben moi, j'en ai pas eu des expériences comme ça. Par contre, oui, des fois, il y a des gens qui me parlent. Ah, ben là, il est arrivé ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça. Pourquoi vous c'est appelez, là? Pourquoi vous appelez, Caroline? Pour nous faire part de ce que de vous dire, d'histoire que vous avez entendue? Non, parce que je trouve que des fois, les gens, ils vont avoir peur de leur sexualité parce que justement, ils veulent pas rentrer dans le modèle de la personne qui n'est pas correcte. Exemple. Donnez-nous un exemple concret. Ben là, vous dites la personne qui s'est fait prendre l'exhibitionniste parce que lui, dans le fond, ça a été des fraudeurs là, qui ont mis... un scénario en place pour pogner cette personne-là. Mais vous, est-ce que vous suggéreriez à des gens de se prendre en photo puis d'envoyer ça par téléphone cellulaire? Non, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais je suis pas surprise que les gens le font parce que, tu sais, le cellulaire, puis c'est tellement rendu populaire qu'une manée, effectivement, dans l'excitation, peut-être que la personne, elle ne s'est pas posée si c'était une bonne idée ou pas. Expliquez-moi pourquoi vous appelez ce matin. Vous avez quel âge, Caroline? 41 ans. Vous avez 41 ans. Pourquoi vous nous appelez ce matin-là? Vous avez pris le téléphone? Parce que je suis dans le véhicule. C'est la première fois que j'entends votre émission. Oui. Je vous trouve intéressant, donc ça m'a interpellée. Ça vous a fait réagir, le fait qu'on parle de déviance et de pathologie? Oui, je trouvais que le mot il était comme tout de suite trop haut. T'sais, ça peut apeurer des gens qui ont ces comportements-là puis que c'est pas répétitif tout le temps, là. Attendez un peu, là. C'est pour ça que c'est les premiers mots que vous m'avez surprise, Caroline. Attendez un peu. Reprenez-nous ça tranquillement, là. Il y a quelque chose qui vous a dérangé dans ce qu'on a dit. Puis je suis pas sûr de bien comprendre ce qui vous a dérangé. Okay? Ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait réagir. Ça m'a... Oui. C'est la catégorisation. C'est comme les gens qui font ça. C'est arrivé peut-être à cette personne-là juste une fois. Ah oui? Alors, si c'est arrivé, par exemple, un exhibitionniste comme Tony Clemens, ce serait la première fois. Pour vous, ça revêt quoi? Admettons que Tony Clemens, là, c'est la première fois qu'il s'exhibe comme ça devant Skype et qu'il se livre à ce comportement-là. Oui. Alors?
Alors, vous voulez que moi je réponde? Ben, en fait, alors peut-être que justement, il n'était pas dans la bonne situation, le bon état d'esprit, il s'est fait avoir, puis ça a été utilisé contre lui. Oui. C'est sûrement des choses qui arrivent à plusieurs personnes. De faire, d'avoir un comportement sexuel une fois, puis ils ne le répéteront pas, c'est ça que vous voulez nous dire? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend. Mais dans son cas, lui, sûrement que ça va être la dernière fois qu'il le fait. Caroline, on va vous poser une question directe, OK? C'est qui vous défendez, là? Ben, je défends personne, je fais juste communiquer. Peut-être que je défends les gens qu'ils vont essayer ça, puis qu'ils vont se faire peur, puis qu'ils ont peur du jugement, là. Peut-être que les gens qui écoutent la chronique, puis que ça leur est arrivé, ben là, ils se sentent pas corrects. Oui, mais ceux qui ont fait quelque chose de pas correct, puis ils se sentent pas corrects, est-ce que c'est pas correct d'agir comme ça ou de réagir comme ça? Je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Peut-être que dans leur expérience de vie, effectivement, ils vont apprendre quelque chose. Puis peut-être qu'ils vont le répéter, puis que ça va dépasser les bornes, comme vous dites, puis que là, oui, ils vont avoir une pathologie. OK, okay. Bien, merci beaucoup, Caroline. OK, merci. Puis, demeurez à l'écoute, on est toujours ravis d'avoir des auditeurs, peu importe leur raison. On va aller à la pause. Oui. Au retour. Maintenant, je vais vous dire tout de suite, on va donner le ton, là, OK? Femme, 27 ans. Oui. Oui, j'ai revu un homme avec qui j'avais été à l'école un soir par hasard. Grosse attirance sexuelle et relation sexuelle le premier soir, malgré que c'était pas dans nos habitudes et que j'étais en couple depuis 8 ans. Oui. Meilleur sexe de toute ma vie. Nous avons continué de nous voir en secret par la suite le plus souvent possible. J'ai tout laissé. Un mois plus tard, conjoint, maison, tous les meubles afin d'être avec lui. Un an et demi plus tard, nous sommes toujours ensemble. Il m'a ouvert les yeux sur le fait que j'étais dans une relation toxique et abusive et ce fut le meilleur move de toute ma vie. PS, nous sommes des gens éduqués, second cycle universitaire dans mon cas, et notre vie sexuelle est toujours aussi ardente. Fait que elle, ça a fonctionné. Je vais vous en lire un autre. Ben, attends un peu. On va être plus explicite. Qu'est-ce qui a fonctionné? De se laisser aller à sa pulsion sexuelle? C'est ça que tu veux dire? Ben, non, mais c'est important qu'on soit clair, là. Je veux pas être tortillonneux, mais... Ben, faites bien. Quand je dis ça a fonctionné, c'est parce que j'ai l'autre histoire en tête qu'elle a tout fait la même affaire, tout laissé. Je lirai plus de détails tantôt. Oui. Mais elle l'a regretté amèrement, là. Bon. Alors, de céder sa raison à la pulsion sexuelle, c'est ni bon ni mauvais a priori. Est-ce que c'est là où on s'en va? C'est vous, spécialiste. Autrement dit, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Donc, a priori, on ne peut pas juger. Par contre... Par contre, ce qu'a fait le comportement qu'a eu Tony Clemens, qui a cédé à sa pulsion sexuelle, waouh! Là, il s'est mis dans le trouble solide. Parce qu'il s'est fait pogner. Non, mais c'est ça aujourd'hui qui est intéressant de discuter. Qui nous dit qu'il n'a pas fait ça plein de fois? Il est peut-être sur un site spécial, puis que ça y est arrivé plein de fois dans le passé. Mais là, ce qui fait que ça sait, c'est quoi? C'est qu'il y avait de l'extorsion financière. On jase, là. Oui, hypothèse. C'est que ça va mal quand tu te fais pogner, mais quand tu te fais pas pogner. Alors, pour Caroline, exactement. Maintenant, dans les comportements sexuels, Caroline a amené un point. Elle est douteuse. Elle dit, oui, mais lorsque quelqu'un explose sexuellement une première fois, est-ce que ça veut dire que la personne va répéter? Non, elle a raison, Caroline. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne va le répéter. Mais, si ça a explosé une fois, les risques que ça explose à nouveau sont élevés. Okay, ça, c'est ce que Caroline ne sait pas. Oui. Mais j'aime ça, on continue, là. Mais là, je vais vous parler, puis en passant, je veux remercier Gabriel. Vraiment, là, c'est le gouverneur Elliot Spitzer qui s'était fait prendre. Tu sais, tantôt dans l'histoire que je disais, fait que merci beaucoup. J'ai ça quand je cherche un nom que je lis sur le bout de la langue. Gabriel, merci beaucoup. Okay. On va à la pause. Au retour, on continue avec vous. Est-ce que la pulsion sexuelle a déjà été plus forte que votre raison? Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. On parle aujourd'hui de pulsions sexuelles.
Est-ce que ça a déjà été plus fort que tout, plus fort que votre raison? Ouais. Tantôt, on a parlé d'une histoire où le résultat a fait en sorte que jusqu'à maintenant, ça va bien. Là. Okay? Là, la dame est tombée sous le coup du sexe, de l'émotion, avec un ancien collègue, pas un collègue, mais quelqu'un avec qui elle allait à l'école. Un jeune. C'est ça exactement, elle a tout laissé, la maison, etc., les meubles, ils sont encore ensemble aujourd'hui. On a Nadine, je la nomme parce qu'elle a écrit sur notre page Facebook, le Doc Mailloux et José. Elle dit « Oui, tellement forte la pulsion que j'ai accepté un homme marié pendant assez longtemps, ce qui était loin d'être dans mes valeurs. Et je me suis laissée manipuler, accepter l'inacceptable jusqu'à déménager, laisser mon travail. La pulsion était plus forte que ma tête. J'étais hypnotisée. Je me battais chaque jour contre cette pulsion sexuelle et contre ma tête en désaccord contre ça. Et j'avais honte. Je savais ce que le monde pensait de ma situation. J'essayais de m'en sortir, ce qui était très difficile car le sexe était bon et la pulsion était toujours plus forte que tout. C'était ma drogue. J'ai été jusqu'à consulter psychologue pour essayer de me sortir de ça, car j'étais vraiment pas bien. Quand j'ai fini par contrôler ma pulsion et j'ai mis fin à cette relation très malsaine. Aujourd'hui, 2 ans après cette rupture, j'apprends à essayer de me pardonner à moi-même d'avoir perdu un emploi que j'aimais, d'avoir accepté de tout abandonner, et je dois essayer de me pardonner mes erreurs et ma culpabilité d'avoir fait aussi de la peine à sa femme, de voir aussi transgresser mes valeurs propres. Bon, madame, vous avez tout croche. Nadine, vous êtes dans le champ solide. Alors, si c'est possible, appelez-nous. On va vous donner, on va essayer de vous remettre sur une piste plus productive. Vous êtes enlisé sur une piste extrêmement non productive. La culpabilité, vous pardonnez à vous-même, tout ça, là, ça n'a aucun sens. N'oubliez pas que Manon Lépine a déjà dit que le pardon est l'enfant pauvre de la réflexion. N'oubliez pas ça. Alors, votre histoire de vous pardonner, là, ça mène nulle part. Il y a des raisons pour laquelle vous avez agi comme vous avez agi. Entre autres, une forte libido. Ça peut exister. Et ça existe chez un pourcentage de femmes et un pourcentage d'hommes. Tous les hommes ne sont pas des étalons et toutes les femmes ne sont pas dénuées d'appétit sexuel. C'est pas vrai, ça. On nous a vendu de la fausse salade. C'est une légende urbaine. Dans les deux genres, il y a des individus avec de très fortes libidos. Un. Deuxièmement, si vous avez une forte libido et qu'elle a été refoulée, détournée, distorsionnée pendant l'enfance, vous êtes dans le trouble, Nadine. Pour nous donner un exemple concret de ça, là, une forte libido détournée pendant l'enfance, ça peut être quoi? Attention, évidemment, à nos mots. Mais... Le père, c'est très simple. Le père qui flirte sa fille, qui a une forte libido. Et ça se fait couramment dans les milieux, surtout les milieux où le père est assez instruit. Alors, il y a un flirtage habile, habilement déguisé, bien camouflé. Bien les genoux de papa, tout ça, là? Oh, beaucoup plus. T'es belle, mais... Tu sais, sky's the limit, t'es la plus belle. Puis, les déclarations qui en finissent plus. Juste avant de parler. Écoute, avec... Il va la rechercher. J'en ai eu, par exemple, qui, à 14-15 ans, allait chercher leur fille à l'école... à chaque soir pour ne pas qu'elle prenne l'autobus. J'ai tout vu. Des histoires, là, je pourrais vous en raconter. Là. Hein? Pourquoi vous pensez que papa chéri allait chercher sa fille de 14-15 ans, 16 ans, à la sortie scolaire à chaque après-midi? Pour éviter qu'elle prenne l'autobus. Pourquoi était-il tant contre le fait que sa fille prenne l'autobus? Devinez. Femme 35 ans, mariée, oui. Universitaire. Oui. Je suis dans un couple ouvert. Mon amant m'a pris en photo et en vidéo sans que je m'en rende compte. Et lui échangeait ça avec d'autres personnes du milieu. Mon chum les a eus et qui sait d'autres. Sans aucun doute, dans certains cas, les pulsions sont plus fortes que la raison, surtout quand on trouve quelqu'un avec qui on s'entend à merveille au lit. Il y a un pourcentage d'hommes de petites vertus, comme il y a un pourcentage de femmes de petites vertus. On va aller à Lévis. On va parler avec Simon. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, brièvement, une petite parenthèse pour votre sujet aujourd'hui. Là.
sans vouloir défendre le monsieur qui a fait ce qu'il a fait, là, c'est, vous parlez depuis tantôt des pulsions versus le jugement, c'est que je ne connais pas toute l'histoire qui se cache derrière tout ça, là, depuis combien de temps la femme est en contact avec cet individu-là. Depuis combien de temps il y avait peut-être aussi de son côté des images qui avaient été faites. Simon, il n'y avait pas de femme. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de femme. Oubliez ça. Ah. Dans le cas de Tony Clément, il n'a jamais rencontré une femme, à ce que je sache. Non, mais il a rencontré peut-être des photos de femmes. Ben oui, des photos de femmes, c'est ça. C'est ça. Alors, Simon, il n'y a pas de femme, là. Oubliez ça. OK. Excusez-moi. Oui, mais, OK. Allez-y. Pour en revenir à votre sujet d'émission, je trouve ça quand même difficile d'exprimer ça parce que moi, je suis célibataire depuis plusieurs années. Oui. Puis je rencontre des femmes qui, souvent, même en couple, avec des enfants parfois très bien établis, oui, nous offrent d'avoir des relations. Je refuse par moralité. Parce oui, que vous faites bien. Vous faites bien. Continuez. Vous êtes fascinant. Je refuse. Non, pas à ce point-là. Non, mais pas à ce point-là. Mais c'est oui. que j'ai été éduqué par des parents. Ben oui. Qui m'ont emmené là. Mais oui. Ce que je vous dis, c'est que je peux comprendre les hommes qui se laissent tenter, parce que dans mon entourage, j'ai moi-même des collègues ou des amis qui vivent des relations oui. extra-conjugales. Simon. Et je ne parle pas seulement d'hommes. Quel âge avez-vous, Simon? J'ai 42 ans. 42 ans. C'est important de sauver nos valeurs familiales, préserver la famille. Simon, vous êtes notre phare. Une chance qu'on vous a. Retournez-moi à ces femmes débridées dans leur sexualité à leur conjoint. Retournez-les de façon véhémente. C'est-tu déjà arrivé une fois qu'il y en avait une vraiment de votre goût que vous avez refusé? Ou bien c'était... Ben, écoutez, il y en a plusieurs, là, parce que les femmes sont quand même très belles dans la région de Québec puis au Québec. Je le sais parce que j'ai voyagé un peu quand même avant. Mais... Je considère pas que je fais quelque chose d'extraordinaire. Non, mais êtes-vous en train de dire que vous auriez déjà cédé à la tentation avec une femme qui était mariée avec enfant? Non, mais j'aurais pu. Bon, ce que je vous dis, c'est que si j'avais eu un système de valeurs différent, oui. Parce que je ne juge pas les systèmes Merci de valeurs à vos parents. Merci à vos parents. Ce sont les piliers de la société. Faut quand même, on en fait quand même un bout, mais ce que je veux dire, c'est que je ne juge pas non plus les gens qui le font. Simon, je veux juste dire de quoi, OK? Doc ouais. Mayo est très ironique, là. Il vous félicite pas pour vrai, là. Non, je sais. OK, bien, je veux juste que vous le sachiez. J'écoute votre émission, là. Je suis pas, c'est pour ça que je vous dis que depuis tantôt, je ne suis pas un exemple pour personne, là. Ben oui, vous êtes un exemple. Non, parce que ça, c'est un point de vue, là. C'est un point de vue que vous avez. Parce que vous avez été bien éduqué par vos parents avec des valeurs familiales solides. Il ne faut pas détruire le couple. Bien, c'est encore là, c'est une question de point de vue, je vous dirais. Parce que tout oui. dépend quel genre de couple que c'est, les autres personnes qui décident ouais. d'aller voir ailleurs. Alors, vous, une femme mariée qui a des enfants, en plus, là, quelle vilainie. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là? Allez-y, là. Je pense à rien. Je fais juste vous dire, je vous appelle à votre émission. En plus, vous êtes un peu menteur. Non, je pense que vous jugez ces femmes-là, ça se peut-tu? Non, pas du tout. Je vous appelle pas pour établir que mon système de valeurs est un exemple. Je vous appelle pour vous expliquer que je peux comprendre que les gens qui commettent ce genre de gestes-là sont parfaitement normaux. Simon, que ferions-nous sans votre empathie? Que ferions-nous? Donc, soyez constructif, là. Ben, je le suis. Simon. OK, regardez. Là, vous passez votre temps à rire de lui. Il m'a posé une question que normalement vous auriez posée à Simon. Simon, c'est qui? Parce que vos parents, ça n'existe pas. C'est qui de vos parents qui vous a mis ce système de valeurs-là en place? Il n'y a pas personne qui me l'a mis, ce système de valeurs. Non, mais vous avez dit votre famille tantôt, là. Ben oui. Non, mais c'est que moi, ils m'ont transmis cette idée-là. Qui? Mais je n'étais pas obligé de la mais prendre qui? Non plus. Votre père ou votre ben, mère? Les deux. Mais non. Simon, faites-vous aller un peu, là. Non, hein? C'est pas les deux. C'est qui vous a transmis, qui était la courroie de transmission de ce haut standard de moralité eu égard à la famille? Ben, il n'y a pas personne plus qu'un autre. Il n'y a pas mon okay. père plus que ma mère qui m'a transmis ça. Okay. Fait que vous, votre père, il vous a déjà dit, Simon, couche jamais avec la femme d'un autre.
Ben, il m'a dit, si tu le fais, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des conséquences. C'est à toi de voir avec. Mais je vous dis pas que c'est pour ça que je vous appelle pas. Oui, oui, attendez, continuez, c'est intéressant. Si tu le fais, non, il va y avoir... Le but de mon appel, c'est parce que le but de mon appel, c'est pas de me faire manquer de respect en nombre, là, c'est de vous dire que je juge pas le système de valeur des autres, mais que je peux comprendre que les gens, ils font. Hey, écoutez, je vous l'ai dit tantôt. Au niveau de la moralité, vous l'avez l'affaire. Vous êtes vraiment un pilier de la société. Ben, revenons à votre père. Puis je vais vous manquer de respect, là, papa. Une question épouvantable. Alors, votre père vous a dit... Oui. Si tu le fais, Simon, si tu le fais, il va y avoir des conséquences. Oui. Que voulait dire votre père à ce moment-là? Bien, ça peut être tout simplement une question d'interprétation. Ça peut être que ça peut occasionner un divorce. Ça peut peut-être faire des enfants malheureux. Ça peut peut-être créer que la personne qui est en séparation va obtenir la garde des enfants, puis qu'il y en a un des deux qui verra plus ses enfants. Les conséquences sont multiples. Et moi, je ne vous appelle pas pour commencer à établir que mon père ou ma mère était la courroie de transmission des valeurs, puis que mes valeurs, c'est un système que tout le monde devrait suivre. Moi, je vous ai appelé pour vous expliquer que votre sujet d'émission, c'est que vous parlez des pulsions sexuelles, puis que je peux comprendre que la pulsion, ça fait partie de l'humain, puis qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va prendre les mêmes décisions. Mais là, est-ce que la décision d'une femme d'aller coucher avec un autre homme parce qu'elle n'est pas bien avec son chum chez eux dans son couple, c'est bon? Mais Simon, on avait vraiment besoin de votre intervention ce matin pour nous dire ça. Une chance que vous êtes là, Simon. Je vous l'ai dit, vous êtes un phare sociétal. On avait besoin de vous ce matin. On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Simon, merci beaucoup. Merci. Désolé, salut. Oui. Mais non, pas d'excuses. Non, c'est des hauts standards de moralité. Ça prend des individus comme Simon pour préserver l'intégralité de nos institutions sociales. Donc, on va aller à la pause, mais au retour, tantôt, j'ai lu le message de Nadine, celle que vous lui avez demandé de téléphoner. Oui. Parce que vous allez changer la façon de voir sa réalité. Possiblement, oui. Donc, elle est en ligne. OK. On va à la pause, puis on lui parle tout de suite au retour. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Doc Mayhew, vous avez fait vraiment réagir les auditeurs avec Simon. J'aimerais vous laisser l'opportunité, juste avant qu'on aille parler à Nadine, d'expliquer votre point. Parce que Simon défendait les valeurs familiales. Tu vas pas coucher avec la femme d'un autre parce qu'il peut y avoir des conséquences. Pourquoi, on va le dire carré, pourquoi vous avez ri de ça? Bon. Ce n'est pas une décision personnelle. C'est qu'il est le fruit d'un lavage de cerveau familial. Le bonhomme s'est permis de lui dire, Simon... Si tu as une relation sexuelle avec une femme mariée, il va avoir des conséquences. Implicitement négatives. Ben, le bonhomme, là, il avait tort. Parce que tout juste avant, Simon, ça, Simon ne l'avait pas écouté, c'est qu'on ne sait pas, avant une relation intime, si ça va être positif ou négatif. Non, mais c'est le système de valeur des gens que vous avez ébranlé, là. Parce que moi, je pense que selon les valeurs, la fidélité, ça fait partie des valeurs. Ben, et là, vous riez de ça. Là. Ben oui, ben écoute, c'est sûr. Mais vous avez une raison de le faire. Ben, c'est ça que je donne l'opportunité, parce que là, vous faites traiter de tous les noms. Ah, oh, ça me dérange ben, pas. Je sais que ça ne vous dérange pas, mais... C'est démesuré. Les systèmes de valeurs, souvent, ce sont des prétextes. Alors, Simon et les Simons de ce monde, souvent... Lorsque je les reçois en cabinet puis que je les écoute pendant 10 heures, 20 heures, 50 heures, on découvre qu'ils ont des problèmes. Alors, il y a 42 ans, il est célibataire et probablement qu'il y a des problèmes qu'il n'ose même pas s'avouer. Alors, les personnes que je vois qui prônent le plus les fameuses valeurs familiales sont souvent les individus les plus problématiques et les plus malheureux. Bon, souvent, pas tout le temps. C'est juste ça que je voulais dire. À continuer à prôner, à épouser des valeurs éculées. Et après ça, par exemple... Ça fait-tu partie, pour que ce soit constructif, là, ces valeurs-là, ça fait-tu partie de la répression sexuelle? Définitivement. Entre autres, répression sexuelle, répression de la connaissance de lui-même, répression de ses capacités intellectuelles, répression de. Okay. Bon, Nadine, bonjour. Oui. Bonjour. Nadine, permettez-moi, je vais relire votre message parce que peut-être des auditeurs qui n'étaient pas là tantôt quand je l'ai lu.
Alors, d'accord. Vous avez dit que la pulsion, c'était tellement fort que vous avez accepté un homme marié pendant assez longtemps, ce qui est loin d'être dans vos valeurs. Vous êtes laissé manipuler, accepter l'inacceptable jusqu'à déménager, laisser votre travail. La pulsion sexuelle était plus forte que votre tête. Bref, là où vous avez tout abandonné, tout, et là, ben vous avez de la difficulté à vous pardonner. C'est ça le message en tant que tel. Là. Effectivement, parce que c'est pas dans mes valeurs de prendre un homme marié. Je trouve que c'est voué à l'échec, premièrement. C'est définitif, là. C'est définitif qu'il n'aurait pas laissé sa femme pour moi, mais dans ces moments-là, c'était fort, la pulsion était forte. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu une relation sexuelle avec cet homme-là? C'était 2013, ça fait 2 ans, que j'ai 45. Okay. J'avais 43 ans. Vous aviez 43 ans. Quel genre de vie sexuelle aviez-vous connu avant 43 ans? Pas vraiment grand-chose, vraiment pertinent. C'est-à-dire, étiez-vous orgasmique? Aviez-vous... Pas vraiment. Avec cet homme-là, c'était plus passionnel. C'est peut-être l'interdit aussi, le fait que c'était quelque chose qu'on savait que c'était pas correct, peut-être qui faisait en sorte que... Bon, allons-y avec le volet pas correct. En quel honneur que vous vous livrez à une activité qui est contre vos valeurs et vous êtes même excité par le fait que c'est pas correct, c'est un interdit? Ah, oh, ça c'est... Je cherche encore. J'ai décidé de vous appeler justement parce que ça m'a interpellée. Je me suis dit, OK, je suis ouverte d'esprit, je suis prête à entendre ce qu'ils vont me dire. Par rapport à mes parents... Je sais que vous parlez souvent des parents. Bon, j'ai pas eu des parents très parfaits. Je veux dire, bon, regarde, j'étais enfant unique, j'étais pris entre ma mère et mon père. C'était toujours, ma mère, elle disait toujours que, tu sais, j'étais le jambon entre la sandwich, là. Tu sais, j'étais toujours pris dans leurs disputes. C'est sûr que sexuellement, ma mère, c'était toujours été caché. Je sais pas s'ils m'ont surprotégé, c'est ça qui fait que sexuellement, c'est ça, j'ai comme refoulé, puis comme vous dites, je sais pas. C'est pour ça que je vous ai appelé pour savoir. Oui, continuez. Que vous ça va... Non, ça va très bien. Ça va très bien. Là, vous commencez à introspecter votre passé, à regarder votre passé comme il a été. Alors, votre mère, la sexualité, c'était caché pour elle. Mais là, vous ne nous avez pas dit ce que la sexualité était pour votre père. Ben, mon père, il n'en parlait pas vraiment. Mm-hmm. C'était plus... Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus au niveau de mon grand-père. Lui voulait que je m'assoie sur lui, sur ses genoux, j'ai l'impression. Mais je peux vous dire que mon enfance, je m'en souviens plus. J'essaie de me souvenir souvent des bouts, puis... Il n'y a rien qui me revient vraiment. Attends, revenons au grand-père. Le père de votre mère ou le père de votre père? Le père de ma mère. Non, nous dites-vous. Alors, le père de votre mère avait un petit faible pour vous. Racontez. À partir de quel âge? Racontez-nous ça, là. L'âge, je ne sais pas vraiment, mais je sais que je me faisais garder là puis que je pleurais tout le temps. Je ne voulais pas y aller... Mes parents, il y avait un chalet, puis moi, je couchais dans la même chambre que mon grand-père. Mmh. Mais encore là, j'essaie de fouiller, mais je suis pas capable d'avoir de réponses. Attendez. Nadine, simplement. Oui. De quel âge à quel âge que vous avez couché dans la même chambre que le grand-père au chalet? Peut-être. Ben, mes parents, ils doivent avoir eu le chalet peut-être une dizaine d'années. Fait que je devais avoir entre 3 et 10 ans. Entre 3 et 10 ans? Oui. Deux lits? Comment c'est installé dans la chambre du grand-père? C'était un lit à 2 étages. Et lui couche en bas, vous en haut? En haut, puis moi je couche en bas. Lui couche en haut. Pas qu'attendre, j'imagine.
Mmh. Ah, mais sûrement, là. OK, le grand-père couché en haut? Oui. Racontez-nous. Quel autre souvenir avez-vous du grand-père? Est-ce qu'il vous bordait? Est-ce qu'il... Là, vous avez mentionné qu'il aimait bien vous asseoir sur ses genoux. Racontez-nous de quel âge à quel âge? Ah, ben, jusqu'à peut-être 10 ans, parce qu'il y a aussi le fait que ma mère, elle le gardait aussi. Elle a commencé à... Quand ma grand-mère est décédée, elle a commencé à le garder chez nous l'été. Oui. Fait qu'il venait passer les grandes étés à la maison. Fait que, tu sais... Mais c'est vague comme souvenir, je ne sais pas si Nadine, c'est parce que... Nadine, tranquillement. Alors, le grand-père, est-ce qu'il lui arrivait de vous faire des cadeaux? Non. Il ne faisait pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'il faisait quand il vous asseyait sur ses genoux? Il me disait qu'il me berçait, là, puis... Tu sais, c'était comme si... Je ne sais pas si... C'était un frottage. J'en ai déjà parlé avec ma mère, puis elle m'a déjà dit « Ah, non, non, non. » Mais par après, ma mère se confiait que mon grand-père avait déjà trompé ma grand-mère. Puis je me dis « Ah, OK. » Il y a quelque chose. T'sais, ma mère a toujours mis son histoire familiale très beau. Nadine, là. Nadine, vous, le frottage, pas la version de votre mère. Votre version concernant ce que vous appelez le frottage, c'est quoi? Ben, il m'assisait sur ses genoux, puis ça frottait, ça, mes fesses frottaient, là. Mais à cette époque-là... Qu'est-ce que vous voulez dire, mes fesses frottaient? Sur lui, j'imagine, sur sa partie. En avant. À partir de quand? Oui. De mon souvenir, je ne crois pas que ça a été plus loin que ça de ce que je me souvienne. Je ne peux pas inventer. Non. C'est parce que j'essaie de comprendre le frottage auquel vous référez. Et vous dites, et quand ça l'aurait cessé à 10 ans, êtes-vous bien certaine? Pas sûre. Je ne suis pas sûre. C'est là que ça se... Parce que j'ai pas de souvenir de mon enfance. C'est difficile pour moi. J'essaie de le chercher. Je me pose. Parce que j'ai été voir un psychologue. Oui. Qui m'a dit. Psychologue m'a dit que j'avais peut-être eu des agressions sexuelles. J'ai fait, mon Dieu. Moi, au début, j'ai fait. Chercher, mais j'ai essayé de chercher, mais. Mais sur quoi il se basait pour insinuer que vous aviez peut-être eu des abus sexuels? Le fait que j'acceptais l'inacceptable chez des hommes. C'est-à-dire? Que j'ai toujours été comme... j'acceptais le méchanceté verbalement. J'acceptais des hommes qui étaient pas gentils avec moi. Puis ça devenait du fait que c'est ça. Peut-être que... Le psychologue avait déduit ça, avait inféré ça. Elle m'avait même dit que c'était probablement pas mon père avec lequel j'avais des difficultés, mais plus ma mère. Alors que moi, je pensais Attendez un peu, là. Vous parliez d'un psychologue, puis là, vous êtes rendu à une psychologue. Le psychologue me dit que c'était probablement le fait que ma mère... C'était un homme, le psychologue, ou une femme? Oui, un homme. Bon, OK. J'avais cru comprendre la psychologue, oui. Le psychologue m'a dit que... Parce que moi, j'ai toujours pensé que mon père était assez dur avec moi, là. Fait que je pensais que c'était lui qui était pas patient, mais après avoir discuté avec lui, il avait l'air à me dire, moi, je crois que c'est pas votre père le problème, mais c'est ta mère. Puis là, j'ai fait comme point. Puis là, j'ai fini par aller chercher un peu puis me faire dire que peut-être que ma mère était jalouse de moi. Hein? Racontez. Ben, par rapport à ce qu'elle essayait de me rabaisser auprès de mon père pour que mon père il soit comme violent avec moi, tu sais, qu'il me donne des sanctions.
qu'il vous punisse. Attends, ton père, tu vas voir. Attends, oui. Mais je dis ça à ton père. Attends. Oui, elle voulait que votre père vous punisse. Effectivement. Mais le psychologue a réagi comment lorsque vous lui avez parlé de votre grand-père? Bien, ça, c'est par après que j'ai découvert ça toute seule. Parce que moi, je suis une fille qui lit beaucoup. Puis que... Oui, oui. Alors, le psychologue n'est pas au courant du frottage du grand-père. C'est ça que vous nous dites? Non. Ah, ben. Pas au courant. Parce que c'est par après que j'ai continué à évoluer moi-même parce que je suis quelqu'un qui est ouvert puis qui veut. Oui, non, ça paraît. Puis lâchez pas. Lâchez pas. Je veux, puis j'essaie de comprendre, puis j'essaie d'aller chercher. Vous savez, il y a une chose que je retiens, Nadine, et qui est dangereux pour vous, c'est que votre mère vous a dit, quand vous lui avez parlé de vous asseoir sur les genoux de son père à elle, que c'était pas du frottage. Est-ce que j'ai bien compris? Effectivement. Puis elle a nié jusqu'au jour où elle s'est échappée. Puis elle a dit, je pense pas que ton grand-père, il aurait pu faire des gestes comme ça. Puis après, elle a dit qu'elle se souvenait que son père avait fait ça avec une de ses sœurs la plus jeune. La soyait sur ses... On y arrive. On y arrive. Hein? On y arrive, mais Nadine. Votre mère. Pas trop honnête, la bonne femme, hein? Pas trop honnête, la bonne femme. C'est le moindre. C'est le moindre qu'on puisse dire d'elle. Mais un peu hypocrite, qu'en dites-vous? Oui? Oui, je me suis éloignée parce que le psychologue m'avait dit aussi il faut que vous preniez une distance avec votre mère. Couper le cordon ombilical, ça presse, elle vous nuit. Puis ma mère, c'est une personne qui est très dégradante. Elle a passé sa vie à me dégrader, à dire que je ne ferai jamais rien, je suis une barrienne. Hey, elle m'a déjà dit, j'aurais voulu avoir un autre enfant pour être sûr qu'il ne soit pas comme toi. Nadine, il y a des mères qui sont méchantes. Bon, Nadine, y a-t-il un lien entre ce dont vous venez de nous entretenir et le fait qu'à 42 ans ou 43 ans, vous vous soyez impliqué dans une relation sexuelle intense avec un homme? Ben, moi, je crois que oui, là. Ouais. Et c'est quoi le lien? Je crois que... Mon grand-père, ma mère, je crois que... Est-ce qu'il est possible, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il vous ait bloqué sexuellement, puis à un moment donné, ça l'a explosé avec un homme qui était gentil avec vous? Oui. Ah oui, pour être gentil, il était vraiment. On lâche pas, Nadine, puis non, on n'a pas honte de ce qui s'est fait. Ça vous a rendu un grand service. OK? Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai grandement évolué. Beaucoup. On continue comme ça. On lâche pas. Merci beaucoup, Nadine. Merci. On doit se quitter, on a pris du retard d'ailleurs, mais ça valait la peine. On va à la pause. Au retour, nous avons Caroline et Frédéric en ligne. Doc Mailloux et José. Avec Doc Mailloux et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On doit reprendre notre retard, Doc Mailloux, OK? Oui, parce qu'on a pris le temps vraiment de parler avec Nadine, mais je pense que ça a valu la peine pour comprendre le fonctionnement. Oui. Les gens ont pu suivre l'évolution de la pensée, puis qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, là, je demanderais juste une chose. Il y a des auditeurs qui sont nouveaux. Il y en a qui sont habitués de vous entendre. Avant de dire des noms parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, bien, prenez le temps juste de vous ouvrir un petit peu puis d'essayer de comprendre où Doc Mailloux va avec ça. Moi, c'est juste ça que je dis comme message. Puis on en a eu une belle preuve avec Nadine. On a vu tout le cheminement de la pensée, pourquoi poser les questions, puis jusqu'où on est allé avec ça, ou ce que vous êtes allé avec Nadine, Doc Mailloux. C'est juste la petite parenthèse que je veux faire. Caroline, bonjour, vous êtes là, Caroline? Oui. Bon, est-ce que je peux vous demander encore de patienter un petit peu? Parce que je vais juste lire un message, on va aller à la pause, puis pour qu'on puisse prendre le temps avec vous, on va faire notre pause rapidement. Pas de problème. Bon, ben, je vous remercie. Bon. Fait que juste avant, je veux lire homme 45 ans. Il dit, en couple, depuis 25 ans, ma conjointe me donne tout à la fréquence voulue. La seule chose qu'elle ne peut me donner, c'est la nouveauté. J'ai donc été chercher cette nouveauté dans le monde des escortes, car je voulais être certain de ne pas développer de sentiments pour avoir ma nouveauté. Le problème est que je ne contrôle plus
mes finances. Mes pulsions sexuelles sont trop fortes et je pige dans des économies pour aller rencontrer des escortes. J'ai même pris l'argent de l'hypothèque et de mon paiement d'auto pour aller voir des escortes. Je me demande comment me débarrasser de ces pulsions. Ouais. Le problème n'est pas d'impulsion, cher ami. Le problème est dans le mensonge à vous-même. Alors, votre 25 ans de vie commune, là, avec tout ce que vous, vous vouliez, là, c'est faux. C'est pas ça qui est arrivé. Et votre prétexte de nouveauté avec les escortes, c'est une rationalisation de caniveau, de très bas niveau. C'est un énorme mensonge à vous-même. Vous vous mentez effrontément à vous-même. Puis je le dis affectueusement et respectueusement. Vous êtes monté un sapré bateau de mensonges. Ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes en train de vous ruiner parce que vous vous mentez. Arrêtez tout ça, là. Arrêtez tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Regardez la réalité passée telle comme elle fut. Toc, on va aller à la pause là-dessus. Oui. Au retour, on s'en va en Outaouais parler avec Caroline. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Sans plus tarder, nous allons en Outaouais parler avec Caroline. Bonjour. Allô. Caroline. Je vous appelle simplement pour dire que moi, j'ai eu une relation. À l'époque où j'étais mariée, j'ai eu une relation extra-conjugale avec un homme qui était marié aussi. C'était une vraie pulsion sexuelle. Ça a été merveilleux. J'ai adoré ça. Ça a duré un an. C'est terminé. Ça fait de longues années. Et j'ai aucun regret. Vraiment. J'étais très malheureuse dans ma relation et je faisais une démarche avec un psychologue. Puis je pense que la combinaison de ma démarche avec le psychologue et puis la relation extra-conjugale, c'est ça qui m'a donné un peu le petit boost dont j'avais besoin pour quitter. J'ai quitté, ça fait presque 15 ans que j'ai quitté mon conjoint de l'époque et puis je le regrette vraiment pas. Bon. Vous dites, j'ai adoré ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait qui était si extraordinaire dans cette relation-là? Là, les auditeurs vous écoutent, mais on ne sait pas de quoi vous parlez. J'ai adoré ça pendant un an. Allez-y. Oui. J'ai adoré l'intimité, le sexe, évidemment, mais j'ai adoré la façon dont il me traitait. Il était une quinzaine d'années plus vieux que moi, puis je sais pas, c'était un homme qui était tellement chaleureux, je me sentais hyper appréciée, je me sentais belle, je me sentais aimée. Et puis, ça m'a... Le contraste avec ce que je vivais dans ma relation conjugale était sidérant. Et puis, j'avais pas l'intention de continuer à me sentir comme ça dans ma relation conjugale en voyant ce qui était possible. Mm-hmm. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu avec cet homme un contraste sidérant avec votre enfance? Absolument. Ben oui. J'y ai pensé beaucoup depuis. Racontez. Ah, ben je viens d'une famille où les parents étaient pas... pas les parents, mais mon père et ma mère n'étaient pas démonstratifs. Je me sentais pas aimée quand j'étais jeune, puis je me sentais pas protégée non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pas protégée? Dans le sens où j'avais pas l'impression de pouvoir compter sur ni mon père ni ma mère. J'avais l'impression de devoir tout faire moi-même. Oui, mais quelqu'un pourrait dire, les auditeurs pourraient dire, oui, mais c'est une impression, c'est une perception, c'est subjectif.
Avez-vous des exemples à nous amener pour nous convaincre que vous n'avez pas été aimé et pas protégé? Oui. Mais... les pires. Seulement les pires. Juste les pires. Oui. Ma mère était, quoi que ce soit une personne douce, ma mère était très effacée. Et mon père était plus affirmé, plus violent verbalement. Puis ma mère ne prenait jamais ma défense. Exemple. Les pires exemples. Une chicane avec ma mère qui a commencé en arrivant de l'école. Mon père arrive de travailler. Je sais pas ce qui se passe. Il était pas là pour les échanges. Et puis, automatiquement, c'est moi qui ai blâmé, c'est moi qui est en punition. Il n'y a pas d'écoute. On me demande même pas qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi dans je suis... Dans quel terme, quel mot il utilisait? Dans quel terme qu'il s'exprimait, si vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il vous a dit? T'as pas d'affaire à parler comme ça à ta mère. Oh! Vous aviez quel âge? Mais... Oui? Quel âge j'avais? Ouais. Bon, je dirais... À peu près. Bon, c'était pré-ado, adolescence, là, oui. Peut-être entre 11 ans et plus, je dirais. Ouais, 11 ans et plus? Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de terrible là-dedans? Vous appelez ça de la violence verbale, vous? Tu ne parleras pas à ta mère comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait de d'autre? Il y avait un peu de violence physique aussi. Je me souviens d'une fois où j'ai demandé à ma mère si je pouvais rester plus tard à une activité avec mes amis. Je lui ai expliqué que c'est parce que je voulais inviter un petit gars à danser un slow dans une danse à l'école. Et puis, oui. C'était la première fois que je demandais un petit peu conseil à ma mère, si on veut. Et puis, sa réaction, ça a été du mépris. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu peux te faire frotter? » Puis, je me suis sentie tellement... sage, je me suis sentie pas comprise. J'étais pas à un âge où... Où est la violence physique là-dedans? Pas facile pour vous de nous sortir des exemples. Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Ben, la chicane a dégénéré. Mon père était dans la cave. Il a pas entendu le début. Il est monté, il m'a frappé. Il vous a frappé? En me disant qu'il m'a frappé, moi. Oui, il a frappé. Parce que je criais après ma mère en lui disant qu'elle n'avait pas d'affaire à me dire des choses comme ça. Oui, il vous a frappé. Que je voulais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait comme geste? Il m'a donné un coup de poing au visage. Puis ensuite, il m'a pris par le collet, il m'a frappé un peu dans le mur, puis il m'a lancé sur le divan en me disant que je suis aussi bien de pas broyer. Voilà. Là, vous avez été convaincante, Caroline. On vient d'avoir le topo. Oui. Pas facile. Pas facile de voir nos parents tels comme ils ont été, n'est-ce pas, Caroline? Non, c'est pas facile. Ouf! Surtout la mère, là. Elle vous a sorti une énormité. Qu'est-ce que tu veux te faire frotter? Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Qu'est-ce que tu veux te faire frotter? Oui, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te faire frotter? Faire frotter quoi? Ben, à 12 ans, j'en avais encore aucune idée, là. Mais elle, à l'âge qu'elle avait, elle le savait. Ben oui. Ben là. Alors, on a parlé en début d'émission, José, de répression sexuelle intrafamiliale. Oui. On termine l'émission avec vous. Merci d'avoir appelé. Merci d'être candide. Merci de nous apprendre au collectif canadien-français qu'il y a des mères qui sont épouvantables en termes de répression sexuelle avec leurs filles de 12, 13, 14 ans. Ça existe encore. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Merci. Ça, on a quelqu'un qui a dit, on dirait que j'ai la même famille.
Père me frappait, ma mère faisait rien, même que je chantais qu'elle faisait exprès pour provoquer des disputes avec moi, pour manger des volées. À 16 ans, mon père m'a tiré les cheveux et je lui ai sacré mon poing au visage. Et c'est pas arrivé il y a 50 ans, ça, là. Ça se produit actuellement. C'est incroyable, hein? Alors, moi, je veux bien, José, qu'on nous fasse taire. Maintenant, il est dangereux de taire. Il est dangereux, collectivement, de taire tout ce qui peut se passer. Parce que si on le tait, chers auditeurs, comment pourra-t-on s'améliorer? Il faut d'abord voir ce qui s'est passé afin de comprendre et de mieux réagir. Autrement dit, s'améliorer avec le temps. Et ça commence par regarder notre passé tel qu'il a été. C'est la base de tout. Pas facile! Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à vous, les auditeurs. Merci à vous, Doc Mayo. Oui. À demain. Doc Mayo et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayo et José. Au réseau Cogeco.